Bruno Gomez, multipermis, je vais vous faire une présentation d'une des manœuvres du permis voiture remorque. Après avoir avancé en marche avant avec votre train de véhicule, vous entamez une marche arrière. En marche arrière lente, le train de véhicule devra être placé entre les deux barrières jaunes situées dans le bas de votre écran. Le train de véhicule, composé d'une camionnette et d'une remorque, fait un ensemble de 9 mètres de long qui devra être dirigé à l'intérieur de ces deux barrières. L'idée est de pouvoir stationner le véhicule, le tout à vitesse lente, de manière parallèle à la bordure, en essayant de casser et d'incliner correctement l'ensemble du train de véhicule. Cette partie de la manœuvre est très délicate car les roues arrière de la remorque se rapprochent très fortement de la bordure. Il conviendra de reculer extrêmement lentement afin d'éviter de monter sur la dite bordure. Toucher la bordure n'est pas une faute. Essayez de replacer l'ensemble du train de véhicule de manière parallèle à la bordure. N'hésitez pas à effectuer quelques corrections. Et lorsque vous estimez être suffisamment près du quai, vous immobilisez le véhicule en mettant le point mort, le frein à main. Vous n'oubliez pas en quittant le véhicule de fermer la porte et d'aller vérifier visuellement la distance qui sépare la remorque de la barrière arrière. Vous corrigez à nouveau, vous vous rapprochez légèrement. À moins de 20 cm, il consistera à aller vérifier une seconde fois la distance séparant la barrière de l'arrière de votre remorque. La distance à l'arrière étant inférieure à 20 cm, vous pouvez signaler à l'examinateur que vous estimez que ce véhicule est correctement placé. Vous vous dirigez vers le véhicule pour klaxonner.